Il dit sortir de son mutisme après le récent cas de suicide d'un jeune policier au poste de police de Coromandel. Jean-Pascal Vadamalé, un jeune officier de la Special Mobile Force, est interdit de ses fonctions depuis 3 ans pour avoir tenté de mettre le feu à la Regimental Medical Unit. Aujourd'hui, il a ainsi décidé de briser le silence en évoquant les misères qu'il a subies sur son lieu de travail. Il raconte qu'on l'a menacé avec un shotgun et qu'il a songé au suicide. Jean-Pascal Vadamalé s'est confié à Kajol Ramkaran. Des fois, vous voyez un policier, je lui dis bonjour parce qu'il n'y a pas un sale corps. Directement, il va dire bonjour. Vous imaginez, et là, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, la police par vous. Mais on ne voit pas pourquoi ces gars-là sont comme ça. Un jeune senior officier, tout ce qu'ils lui ont fait, vous visez à Barry Bowden. On vous fait prendre des poses de Kama Sutra, juste pour plaisir. Vous êtes en uniforme, mais prenez-les. Après, ils vont faire des photos, ils vont se marrer. Lorsque vous mettez ces mêmes officiers à travailler dans la société, ils deviennent comme des sauvages. On m'a menacé avec un shotgun sur la tête. J'étais en colère, je commençais à avoir des crises. Vous voyez là, et vous, vous êtes dehors, vous êtes armé d'un fusil, la seule chose qui vient à la tête, mon c'est un fusil, mais je ne parle pas. Et vous êtes en train de tenir le tout pour ne pas faire ça. Au fini, quand il est fini. Et eux, ils savent déjà ça. Et ils savent aussi que vous ne pouvez pas quitter la police. Vous m'arriverez. Ça veut dire, à cause de ne pas quitter la police, nous faisons la vie. Et l'inspecteur Daoudari de la SMF lui donne la réplique. Il affirme que tout se fait selon les normes internationales. Sanjay Daoudari est avec Kajol Ramkaran. Training à la SMF est de façon très scientifique et professionnelle d'après les normes internationales. Nous, un instructeur, informé d'une académie de renom. Vous d'accord, moi, une organisation comme la SMF, les besoins parient à toute éventualité. Et pour pouvoir faire ça, nous besoin d'un personnel très compétent et qualifié. Et une seule façon pour acquérir cette qualité-là, c'est par training. Le training, il évolue avec le temps à la SMF pour faire les vignes plus adaptables dans l'environnement où nous pouvons opérer et pour faire face à de nouveaux défis. Si quelqu'un peut faire un commentaire désobligeant dans façon training fait à la SMF, c'est soit il passe un esprit ou il a envie de tenir l'image de la SMF.